Bonjour les Tiki Briki. Aujourd'hui, je reviens avec vous sur un changement récent visant à commencer à connecter les cartes entre elles. Depuis la fin de la semaine dernière, sur base militaire, il est désormais possible de voir plus précisément des morceaux de la carte phare, de la carte bois, de la future carte des rues de Tarkov par exemple. Pour ce qui est des cartes déjà visibles, elles ont été rendues plus détaillées. Le projet final de monde ouvert n'est pas vraiment un vrai monde ouvert, mais plutôt du map-to-map travel, avec donc des temps de chargement entre les cartes actuelles. Le but est de rendre les accès et les sorties des cartes liées, de les rendre logiques, et donc le fait de permettre d'avoir un visuel de la carte suivante ou de la carte de l'autre côté est très important pour l'immersion du joueur. Le système marchera de la façon suivante. Pour aller sur la carte Labs, par exemple, il vous faudra donc sortir de votre planque, vous rendre sur la carte douane, trouver l'entrée de l'usine, charge usine donc du coup, une fois dans l'usine, vous devrez trouver donc l'entrée secrète du laboratoire, pénétrer dans le labo donc, après un chargement toujours, et pour revenir à votre planque, et bien c'est le chemin inverse qui sera obligatoire. Pour aller sur Labs, vous avez aussi la possibilité d'y aller par les rues de Tarkov, donc ça va vraiment être super sympa une fois ce mode ajouté. Par mode, je veux dire que vous aurez donc deux comptes. Un compte qui sera l'actuel, qui se fera donc wipe, et un deuxième sans wipe, mais uniquement avec le voyage de carte en carte, le map to map travel. Ces deux parties seront donc distinctes, avec des serveurs distincts, personne ne se croisera, hein. Ceux qui feront les map to map, entre guillemets, ceux qui feront le monde ouvert, ne seront pas les mêmes que ceux du jeu actuel. Donc voilà, ces deux parties seront donc distinctes et offriront deux expériences totalement différentes. Voilà, donc ce que je vous ai dit là, c'est ce qui a été confirmé à l'heure d'aujourd'hui. Bien sûr, hein, comme toujours en développement, c'est sujet à des changements et arrangements par la suite au cours du développement. Petit bonus que voici, la carte terminale est déjà super visible depuis le bord de la carte littorale. Ça va être un endroit vraiment sympa, je pense qu'on va retrouver vraiment des vibes de l'ancien jeu de BSG qui s'appelait donc Contract Wars. Donc voilà, c'était des infos assez rapides. Je vous ai montré, j'espère, pas mal de visuels qui permettent de visualiser un petit peu tout ce que j'ai pu dire à l'oral. N'hésitez pas à mettre un orteil en l'air si ça vous a plu, en tout cas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et on se retrouve sur une prochaine vidéo, peut-être plus longue, peut-être plus précise. Et n'hésitez pas à me dire s'il y a des sujets que vous voulez voir sur la chaîne, je serais ravi de les aborder avec vous en tout cas. Allez, à plus, ciao ciao. Elle est pas rentrée. Ah, couché par terre, je crois que je l'ai tué. Oh, le reflection qu'il est. Clipez ça. Oh non. J'avais la grenade à la main, je sors et toi. C'est bon, je l'ai eu. Je me suis mis contact à lui. C'est toi qui est là-bas au bout, qui me regarde? Conteneur? J'essayais de flash depuis tout à l'heure. Oh! No way! De quoi? C'était un PMC ça? Il y en a la deuxième. Ou alors c'est le même mais... Il y a un PMC à côté de moi. Il est encore là. On voit son canon, tu vois le canon du SVD là? Je vais me procher de l'écran parce que là je vois rien mec. Sûr. Tiens, c'est pour. Je vais vous prendre ça, monsieur. Ah. On est là, gardez la monnaie. J'ai mis les dollars avec. Le pire, c'est qu'il prend même pas son truc, c'est une méthode. Ça a aucun sens. Le pire trade de l'histoire. Ah, j'ai pas encore. J'ai pas record. J'en ai marre, j'oublie tout le temps de record maintenant, fais chier. On a tiré en même temps, gros, j'étais aussi sur sa tête tendue. Hein. Je sais pas qui c'est, on verra bien, mais. Par contre, lui, il a pris la masse de balles vu le sang qu'il y a. J'ai changé de ligne. Ouais, je suis passé plus à gauche, moi. Passe pas trop à droite, hein, fais gaffe. Hein. Ouais, bah, je suis pas trop non plus, je vais juste prendre les fenêtres.
Mon gars, mais ce zoom il est trop fort, mec, je te jure. Je vais jeter mon sac. Il est pas sacrément PS. C'est la deuxième fois que je recorde pas mon début du game, putain, et que je fais un kill à... Enfin, soi-disant un kill. Toi qui cours vers moi? Oui, j'ai cherché le ligne. Ouais. Je suis tout à gauche couché, là. Je vais voir si je peux aller un peu plus loin. Il est sur le côté gauche, je l'ai vu. Vas-y, monte ton Mosin encore une fois, là. Côté gauche? Il est mort. Nice. Ah, ce bon. Viseur, mec, c'est un truc de débile. Eh, tiens, Flo, regarde. Tiens, Flo. Tiens, regarde. Juste vise avec. Oui, c'est bien lui. Et son pote. Tu t'as assuré, Flo, ou pas? Non. J'ai oublié. Alors, par des vérités? Je dis, c'est moi. C'est toi. Ah yes! Même 700 et d'un. Ouais, il est pas mal. Putain. Tu veux le Mosin de l'autre ou pas? Ouais, je vais le prendre si je prends pas. Putain, toutes les traces de sang qu'il y a, gros, mais. Je te laisse full équiper. Ah oui, il était sympa son. Oh oui, putain, level 41 et 37. Ah ouais. Tu veux son F4? C'est un peu gros. Long. Ouais, ça fait un peu gros quoi. Non. Vaut mieux pas. Et où le mec? Je peux pas te donner une position exacte. Il faut une autre ligne. Je cours dessus là, non? Ah oui, il est là devant moi. Ouais. Bien joué. Je l'ai eu? Ouais, je l'ai entendu gueuler comme il mourait, elle a fait waouh. Ok. Je rush dessus. Ouais, mort. Mosin mort. Ouais, ce serait pas mal j'avoue, parce que là moi je suis un peu coincé du coup, à cause des fenêtres on voit rien là. J'en ai vu un. Oui, je le vois, il est tout au bout de la jetée. Oh, on m'a tiré dessus. Ils sont les deux tout au bout de la jetée. What, c'est un scaf ça? Un mort, PMC mort, plus de 100 mètres normalement.